Hello les viewers, c'est Sylvain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez un son pas trop faible, pas trop fort. Donc on se retrouve aujourd'hui sur le magnifique jeu Northgard. Donc alors, je fais une vidéo. Cette vidéo est tournée à la fin de la canicule, dans le 40, en Aquitaine, dans le sud-ouest. Il n'y a plus de canicule, c'est bon, mais j'ai quand même une bouteille d'eau pour faire un front. Donc voilà, il y a 6 mois, j'ai fait ma dernière vidéo de Northgard. Donc il y a 6 mois, c'était il y a un petit bout de temps, voilà. Et j'en suis pas peu content. Où j'avais dit que je ferais une série de quelques vidéos où je ferai une partie 1 vidéo. Donc ça serait pleine partie et tout. Enfin, qu'est-ce que je dis, pleine partie? Mais non, une partie. Donc voilà, donc je l'ai créé, je l'ai chargé. Et voilà, donc elle est ici. 0 minute, on y va, on lance, on n'attend pas. Ça va charger en quelques secondes. Oui, je suis en sueur, on peut le voir à ma peau. Donc voilà. On commence sur une magnifique. Non mais. Eh bien. Bon. Alors. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que dans un premier temps, nous allons construire. D'abord, il nous faudra une cabane de bûcheron. Voilà, allez. Un petit. Et voilà, donc pour commencer, c'est toujours les deux éléments principaux à faire. Voilà. Et le camp d'éclaireur. Un deuxième, non, c'est bon, il y allait. Ok, cool, donc lui, il sera bûcheron. Hein, et lui, il sera éclaireur. Voilà, un bâtiment, deux bâtiments. Wow, belle carte. Allez, petit éclaireur, vas-y. Va nous découvrir cette map. Maintenant, toi, hop, toi là, va ici. Il y a pas beaucoup de bois, tu vois qu'on... Ouais. Voilà, donc pour l'instant, on... il va nous falloir, c'est ça. Une petite maison. Ok, ça va être cool. Une épave à aller explorer, des bois tués. Ça va être sympa. Ici on a des cerfs, ça va être bon pour la chasse. On est aussi pour l'instant vraiment bien au bord de la côte en fait. Donc c'est cool. Les zones n'ont pas trop de temps à être explorées. On a déjà des ennemis là, on est protégé ici. Donc je pense que la protection vient quand ça passe comme ça. Donc, et on a une zone de pêche juste là. Donc je pense vite coloniser cette zone là. Faire en premier lieu. Donc, y a rien dessus. Comme ça on pourra commencer à gagner la sagesse. Allez voilà une petite colonisation. Sympa. Allez maintenant. Toi. Tu vas là-bas. Donc maintenant on a un peu de nourriture, c'est bon. Les villageois arrivent vite, hein, c'est bon. Oh là là, mais c'est une bonne partie. Donc ici on a des marécages normalement. Donc si je me trompe pas, ouais, c'est des marécages ici. Donc on a un lieu de visite ici. Donc on a un... Non, c'est... Ouais, si on a des mines là. On a de la pêche et de l'érudit ici. On a du champ ici. Et aussi un peu de bois. Donc là, vous allez voir, ça va être... c'est sûr que c'est un marécage. Grand, petit, je sais pas. Peut-être. On connaît pas encore la map, hein. C'est des maps totalement inconnues, écrites. Oh, déjà, il y a des ennemis déjà. Là. Je vais peut-être être freiné par les ennemis à ce moment-là. Voilà.
Ouais, marée, c'est bien ce que j'ai dit. Oh! Il va aller explorer la zone là-bas, donc avec un ours apparemment, avec les chouchouilles. Voilà, donc ici on a une maladie. Qu'est-ce qu'on peut construire? Cabane de pêcheur pour la nourriture, le plus important. On essaie de gagner de l'importance en fait, donc par exemple on essaie de faire les trucs le plus principal pour comme ça on manque de rien du tout, hein. C'est normal, c'est logique. Je pense que cette vidéo elle durera à peu près 10-12 minutes, hein. Pas vraiment longtemps. Ce sera des courtes vidéos pour pas vous ennuyer, pour pas vous embêter avec ça. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Aussi, je voulais en parler un peu. J'essaie de faire des efforts, donc au niveau de la vidéo, de la qualité. Donc là, j'ai intégré les fonds verts, donc je les trouve plutôt bien faits. On m'a fait remarquer que certains fonds verts étaient un peu défectueux à cause de l'ombre, mais là pour l'instant j'ai plus de problème d'ombre en fait. En fait, mon problème d'ombre c'était que j'avais une lumière qui se trouvait ici et j'arrivais pas à faire face à la lumière en fait, parce que derrière moi j'ai un Velux et il faudrait que j'ai mon bureau tourné, mais c'est pas intéressant, donc voilà. Là on va mettre un pêcheur là bas allez, yeah. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Augmenter la production de bûcheron. Pas encore d'armée, donc ça a rien. On peut avoir qu'un érudit. Il explore ici, c'est nickel. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit, on est tranquille ici. On pourra explorer juste ici. Ouh, un ours brun. C'est plutôt sympa. Non. Ouais, 200. Je préfère pas organiser un festin. C'est une mauvaise idée d'organiser un festin. On va peut-être faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Militaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah ben, on va faire un camp d'entraînement ici, allez. Et hop. On retire un peu de forêt. On met ça là. Lui, on le coltine ici. Voilà, le soleil revient. C'est tranquille. Ouh. Beaucoup de fer ici. Alors donc on a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment protégé au bout du bout du bout. Donc on est aussi protégé ici. Donc la seule issue qu'ils ont pour venir nous attaquer c'est là. Et peut-être là, je ne sais pas du tout. Donc si on arrive à voir jusqu'à là, on sera super bien protégé en fait. Là je pourrais carrément déjà coloniser ça. Allez. Yes. Ok, on va construire une maison ici. Yep. Voilà. Ça nous augmentera de 5. Comme ça, on pourra mettre un viage en plus. Allez, dépêchez-vous de construire vos maisons là. Pas trop de temps. C'est ouf. Ok, d'accord. On a un gars en sang. Pas bon ça pour l'écosystème. Ok, il va falloir augmenter la production de bois. Voilà,
Alors, expansion 30%, les mineurs extraits, armurerie, la puissance unité militaire. On va faire tout au fur et à mesure, hein. Donc je sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être une bonne chose. On va bientôt se quitter là. Voilà, le passage en hiver, il est toujours pas très cool. Ouais. Voilà, un pêcheur ici, nickel. Et là, on peut passer l'hiver. Donc pour l'instant, on a un militaire ici, hein, qui est plutôt pas mal ici. Hein. Donc on laisse l'explorateur faire. Je pense que dans le prochain épisode, on continuera un peu à avancer tranquillement. Et on ira faire ces deux zones-là. Donc ce qui pourrait être plutôt sympa. Épave. Envoyez vos éclaireurs pour voir si c'était pas juste trouver des crânes et du bois. Yes. Ce que j'aurais bien besoin. Des crânes et du bois. On a encore des ours ici et on a un cromlech ici. Voilà, on est... Ouais, ben voilà. Donc on aura deux fronts à... J'ai deux fronts à surveiller. Ici et ici. Pour l'instant, juste trois parcelles, donc c'est pas loin. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Vous laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et merde, putain. Ok, d'accord, il y a la coulée de magma. Bon, je reviens sur ce que je disais, donc un petit commentaire et voilà. Donc c'était Sullivan pour une toute nouvelle vidéo. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine les viewers, c'était Sullivan, ciao.